Écoutez, bonjour à tous, bonjour Twitch, nouveau stream aujourd'hui sur Black Ops 6. Je rappelle, ce stream sera en rediffusion soit samedi ou dimanche sur YouTube à 14h30. Du coup, stream sur la map Terminus, on va la découvrir ensemble. Moi, j'ai déjà joué un peu, j'ai triché un peu, j'y ai déjà joué. Pour monter la C9 en or, du coup j'ai la C9 en or. Du coup là je suis en train de monter une autre mitraillette. Mais juste avant de faire la map Terminus, on va aller sur comment dire sur Liberty Falls parce qu'en fait j'ai commencé des manches. Je crois que je dois être dans la vingtaine à 25 ou un truc du genre. Généralement je fais jusqu'à la 31, après je fais une exfiltration. Donc on va terminer ça et après bah, on passera sur Terminus. On sera aussi une trentaine de manches si possible. Par contre, pour l'instant, je fais un peu le mode normal sur Terminus. J'active pas le truc en début de game parce que j'y arrive pour l'instant sur Liberty Falls, mais le temps que je m'y habitue vraiment, vraiment bien sur Liberty Falls, voilà quoi. Et je voudrais tenter un secret aussi sur Liberty Falls, voir si j'y arrive ou pas. De toute façon aussi je connais des secrets aussi, quelques petits secrets sur Terminus, mais je connais pas encore tout, je me suis pas intéressé plus que ça parce que je préfère découvrir par moi-même certaines choses. Donc voilà. Voilà ce qui est prévu pour ce stream-là. Et du coup ouais j'ai prévu un stream Call of Duty Mobile cet après-midi. En lien du coup avec la série légendaire d'Halloween. Comme on a débloqué bah, du coup la Maddox hier, on va jouer cette Maddox. Et on va rejouer avec la Holger, la K47. Et du coup, la dernière arme qui me manque à débloquer, on se la débloquera en novembre, je pense. Par novembre à peu près. Voilà. Donc sur ça, sans perdre plus de temps, on se lance sur le jeu. Juste avant, je vous montre le planning. Petit rappel du planning de la semaine. Donc là, on est vendredi. Donc voilà, à 10h30, stream sur Terminus. Demain, en repos. Et dimanche, on a... à 17h30 du Horizon Zero Dawn. Des fois, c'est possible que je déplace en fait les horaires, mais un chouïa à 16h30. Et ce sera sur Twitch. Hier, on a fait un stream aussi sur bah, du coup Call of Duty Mobile en zombie. Ce stream sera en rediffusion bah, samedi, je pense. Et du coup, bah, le stream qu'on fait ce matin sera en rediffusion dimanche. Et du coup, pour celui du stream de cet après-midi sur Black Ops. Enfin sur Black Ops, sur Call of Duty Mobile. Ce sera pour lundi, je pense. Lundi ou mardi, on verra. Voilà. Donc sur ça, bah, on se lance sur le jeu. Hein. Voilà. Ah, là on est bien. Ah, j'ai un rediff en direct, c'est stylé. Alors, où j'en suis? Ah, je suis pas loin. J'ai bientôt terminé pour la Twin Energy. Et après, on se fera, bah, je pense, réanimation rapide. Augmente la durée de sprint tactique. Oh, les dégâts de chute, je m'en fous un peu. Utiliser de l'équipement tout en sprintant. Pendant le sprint tactique, les dégâts des projectiles sont réduits. Ouais, je vais laisser ça comme ça. Je pense que d'ici la semaine prochaine, j'aurai amélioré la qualité graphique du jeu, enfin graphique visuel au niveau des couleurs. Je vais m'en occuper tout à l'heure. Je vais faire ces paramétrages. Et du coup, ouais, en ce moment, je suis en train de jouer cette arme, la KSV. Elle est plutôt bien. Et du coup, là, on la monte tranquillement au niveau des camos. Par contre, attends, j'ai peut-être de l'équipement à rajouter.
Ah, j'ai toujours pas débloqué les leurs. Hein. Ah, yes, j'ai débloqué le côté de Molotov. Ça, c'est cool. Faudrait que j'y pense, mais il faudrait que je fasse un cadre personnalisé pour le zombie. Ou un overlay personnalisé vraiment précis pour le zombie. Dès que j'aurai le temps, je m'en occuperai. Parce que maintenant, il y aura tout le temps du zombie sur la chaîne. Ah, d'accord, légendaire, ultra et fantastique. Ah ouais, t'as encore un dernier en fantastique. J'en ai deux. Pour l'instant, moi j'économise les bubble gum et je les utiliserai lorsque je ferai les secrets à des maps, je pense. Mais je suis pas un utilisateur des bubble gum. Déjà sur Black Ops 3, je les utilisais pas du tout, voire très rarement. Et pour l'instant, ils ont encore rien rajouté sur la boutique. J'aimerais bien avoir ce pack-là. À chaque fois que je regarde, j'hésite. On verra pendant le mois de novembre, je ne sais pas si je craquerai ou pas, on verra. Pour ça, j'attends de voir si je joue vraiment énormément à Black Ops 6. Là, ça fait que depuis le début de semaine, je crois. Ou fin de semaine dernière. J'attends de voir si j'y joue vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vais attendre, je pense, 2 3 semaines. Et si c'est bon, bah, on y restera, tout simplement. Ouais, j'étais manche 23. On a quand même pas mal de manches à se faire. Hein. Parce qu'en fait, je sais pas si je fais la map Terminus. Est-ce que je perds du coup la sauvegarde que j'ai fait sur Terminus? Je sais pas du tout. Alors après, c'est un stream sur Terminus. En vrai, ça me permettrait peut-être de faire le test. On va peut-être pas faire Liberty Falls. J'ai envie de faire un test. Voir si ça m'écrase quand même la dernière sauvegarde ou pas. Ça vous mettra pas la cinématique parce que j'ai déjà mise. Mais de toute façon, si vous voulez voir les cinématiques disponibles sur YouTube, regardez sur la chaîne de Flapix. Hein. Moi, le problème, c'est que les cinématiques, ça bug un peu, comme j'ai pas un PC super puissant. Modifier attirail. Modifier. Non, pas besoin. On est go. Normalement, je crois qu'il y a des archives dans le jeu et je me demande si c'est pas au niveau des archives que je peux revoir les cinématiques. Parce que je crois que sur Black Ops 2, ça fonctionnait un peu comme ça. De souvenir. Ah, tu vois, renseignements zombies. Ah, c'est juste les dialogues. Et le boss spécial hein, de cette map, franchement, il est violent. Hein. Il est massif et il court, mais il avance hyper vite. Là-bas à gauche, il y en a qui sont attaqués. Ce qui est bien, c'est que tu as des petites animations comme ça, on va dire, des ennemis, on va dire, qui sont attaqués par les zombies, qui se font bouffer devant toi. Et sur chaque salle là, que tu vas ouvrir, bah tu vois ça. Pour l'instant, je me pose le temps que les shaders ça charge. Ça, on aura une belle qualité visuelle pendant le jeu. Mais ouais. Et si j'ai le temps avant 14h30, de toute façon, il faut que je prépare la rediffusion
du stream d'hier pour demain. Faut que je fasse les chapitres sur Clash of Clans, mais ça, normalement, en 1 heure, c'est rapide. De toute façon, là, bah, du coup, on fera pas de Liberty Falls, mais je vous remontrerai le truc des jumelles que j'ai vu sur Duck. Ah mais il est ici l'ascenseur. Si le réseau est coupé, sérieusement, qui a conçu cette installation? Le même type qui vous a mis à l'ombre. Votre ancien patron, Richtofen. Moi je propose qu'on libère le frère de Maya, puis qu'on aille lui botter le cul à ce connard. Ah ça c'est pour que ce soit plus rapide mais... On va éviter. Je vérifie si j'ai pas loupé des enregistrements. Ça faut que j'active. La map elle est vraiment énorme. Hein. On a des bateaux pour aller sur les îles et tout. Mais elle est énorme. Et le bateau qu'on voit en bas à gauche, c'est le bateau qu'il y avait dans MW3. Ah merde non, j'ai oublié de prendre le bubble gum. Je vérifie si j'ai pas loupé des renseignements. Entrer dans l'armurerie? Ah, mais du coup, c'est ici qu'on utilise les clés dans cette map. Tu vois, je découvre encore des trucs avec vous. Hein. Parce que j'ai joué une fois la map et... Elle est tellement grande que j'ai pas tout vu. Hein. Et à mon avis, il y a des renseignements cachés sur les îles. Mais de toute façon, on ne découvrira pas toute la map aujourd'hui, mais au fur et à mesure des streams, on ira peut-être sur d'autres coins de la map qu'on n'a pas encore vu, que j'ai pas encore vu. Ah, ça va, ça n'a pas passé à manche. Je pense pas que c'était le dernier. Hein. La map elle est énorme, mais franchement elle est trop bien. Elle est trop trop bien. Ça fait longtemps, hein, je m'étais pas amusé autant sur un Black Ops, surtout en zombie. Ouais, on peut pas les buter les joueurs. À mon avis, ça doit servir pour le secret.
Normalement, ici, les renseignements, j'ai dû les récupérer. Je crois qu'il y en avait sur la table. Mais j'ai dû le faire. Ah, c'est trop bien, tu peux faire ça. En ce sens, j'ai pas trouvé des pièces. Je sais même pas si on a le bouclier sur ce genre de map là. J'active le courant. Ah merde, c'est 500. Ah ouais, du coup, les... Ils se réparent pas. Oui? Mon père, il avait besoin d'un truc. Ça, c'est l'ascenseur qui mène à une grande salle de labo en bas. Ah merde, non, je... Ah non, ouais, non, c'est bon, c'est pas ouvert. Bon, pour l'instant, il faut passer le moins de manches possible. Le temps d'activer le courant. Mais t'as plein de trucs en lien avec d'anciennes maps. Ou voire même peut-être des sons, tu vois, en lien avec Origins. Je sais qu'on peut trouver des pelles et creuser. Après, je sais pas s'il y a la pelle en or au bout d'un moment. Déjà le dernier? Elle mange deux, elle passe vite. Hein. Activer le courant. Je crois que je l'avais fait. Ah non, je l'ai pas fait encore là-bas. Unité CME activée. Veuillez patienter. Ah putain non, je voulais pas passer à manche. Visiblement, notre gardien n'était nullement plus qu'un grand chalut du docteur Maudit, la directrice de cette fabrique des horreurs. Unité CM connectée, zone 2 allumée. Il paraît qu'elle n'est pas particulièrement préoccupée par l'aspect éthique de son travail. Il faut que ce soit moi qui dise ça.
Une fois deux, il arrive. Bienvenue dans la team JM. Une fois deux, il arrive maintenant. Merci pour le follow, Lucas. Merci de fou. Bienvenue sur la chaîne, comment vas-tu? Je passe à manche du coup, hein, mais. Fais chier quand même. Ouais, je crois que le bonus, je vais pas avoir, l'avoir longtemps. Oh, il arrive en fin de manche le bonus. Hein. J'ai grave le seum. J'ai vraiment la poisse. Ouais, il y avait un truc. Oh, non, c'est une arme. C'est la plupart du temps, c'est ici que je tourne. J'ai encore jamais testé de piège pour l'instant. Ça va et toi? Bah écoute, ça se fait plaisir là, ça découvre la map Terminus. Donc pour l'instant, je passe un peu les manches. J'en profite avec les bonus. Il manque encore un générateur à rétablir qui est en bas. Là, là, il faut qu'on se garde un zombie là après. Et ça, on se le testera. J'ai envie de le tester en vrai, hein, ce piège-là. Je sais pas combien il coûte. Mais j'aimerais bien l'utiliser, ouais, quand il y aura le boss. Parce que le boss, il n'est pas évident. Et j'imagine même pas quand tu actives le truc en début de manche. Ok, allez, c'est parti, on va tirer le troisième générateur. On prendra ça après, je pense. Il nous faudra au plus vite Basto. Alors normalement, c'est ici que je peux trouver une pelle. Je crois qu'elle n'est pas toujours au même endroit. Je connais pas les emplacements par cœur des pelles. Quand tu vois, t'as des trucs comme ça, comme sur Origins, ça a creusé. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de peine. Alors, faut que j'aille où là? Normalement, les renseignements, je les ai déjà pris ici. Unité CME activée. Veuillez patienter. Ça va venir celle-là, hein?
Ah, j'ai eu peur, j'ai plus de mine. On a rétabli le courant partout. Malheureusement, on a un autre problème. Quoi encore? Le registre des prisonniers a été déplacé. Sans celui-ci, on n'a aucune chance de retrouver Nathan. Vous l'avez entendu? Maya vous a libéré. Vous avez une dette envers elle. Allez récupérer ce disque dur. Ah, on en a deux. Là, il y a le niveau 3. Là, je crois qu'ici, il y a un piège et il y a une autre salle. Ah oui, des fois, il y a les capsules qui se vident. Là, il y a le pack-a-punch. La base de données contient un fichier crypté créé par la directrice technique Anya Tonovsky. La garce tenait un atelier secret. On va essayer de chercher Masto là. Peut-être trouvé par ceux qui s'inclinent, bien que la plupart soient refusés. Ah, c'est payant aussi, 500. On va remonter tranquillement. Ah, c'est 4000. Ouais, on va prendre Masto avant et après on prendra le gilet. Mais le mieux pour rusher les armes au niveau du camo, c'est sur Liberty Falls. Normalement, Masto il est là. Les atouts ça bouge pas de place. J'aime bien le fait que ce soit des canettes comme ça en atout. Il y a beaucoup de choses qui sont prises d'M2E3, mais M2E3, je crois, il s'était inspiré en fait de Black Ops 6. Pour le sortir rapidement, ils ont dû faire ça, je pense. Faudra que je modifie peut-être la TH aussi, je sais pas. Je verrai. Mettre un ATH plus classique du zombie. Mais en vrai, ouais, non, va falloir que je modifie parce que de toute façon, le passage des manches, vous le voyez pas trop. Parce qu'il est caché à cause du cadre. Bon, bah du coup, on peut passer à manche. On a 1000. Hop, un nouveau bubblegum obtenu, levé du bouclier. Ah oui, si t'as des défis pour ton camo, là l'araignée c'est les vermines. Et après t'as les parasites, ceux qui volent, et tu peux que les avoir sur Terminus. Là, logiquement, on peut faire plus de dégâts. Oui, ça a dû faire mal.
Je vais attendre que la marche passe. Ah, c'est Vermine et défi Sam en plus. Enfin, les Vermines. Les parasites. Bon, il en reste qu'une. Allez, go faire le défi Sam. Je sais pas comment on le voit sur la carte, le défi Sam. Il me reste pas beaucoup de balles, hein. On va se reprendre des balles. Ah, et si on doit survivre dans une zone, je vais aller me chercher double G x2. Bon, en vrai, on peut améliorer l'arme. Hein. Enfin, je vais voir où il est le pack à punch. On va peut-être améliorer l'arme. Bon, il est en bas. Allez, on remonte. J'espère juste que je suis pas monté pour rien. C'est un bug ou il a disparu? Je me dis pas qu'il a disparu. Mais il est où? Ou sinon ça veut dire qu'il est tout en bas. Ah ouais, non, en fait, c'est tout en bas. Naze, je suis monté pour rien. Ah tiens, c'est la première fois que j'ai utilisé. Première expérience de l'ascenseur. À mon avis, il y a un truc secret peut-être à faire pendant que tu passes dans l'ascenseur. Oui, il est juste là, on est passé à côté, je pense. On est carrément passé à côté. Ah, attends, il faut 500. Comment j'obtiens 500 facilement?
Merde. Non. Non. Ah si, c'est bon. Je crois que c'est trop tard, il va disparaître. Ah mais j'aurais dû passer tête devant la capsule, j'aurais pu avoir un zombie. Ah c'est bon, j'ai réussi. Ok. Bon, faut que je rappelle l'ascenseur. Super. Ah, faut que je remonte en haut. 1 minute. Non, ouais, c'est mort. Ouais, j'ai même pas de thune. Bon, tant pis. On laisse tomber. Ouais, c'est pour ça que le défi il était important de le faire sur la manche d'avant. Bah au moins ça nous fait plus de zombies. En plus 20 c'est rapide. Hein. Je sais pas si je peux l'appeler d'en bas en fait. Peut-être. Hein. Non mais je pouvais l'appeler, je suis un trou du cul. Moi j'apprends, hein, c'est... M'en veuillez pas. Hein. J'ai l'impression que quand tu l'appelles un autre point d'accès, c'est gratuit. On va pas tarder à voir le boss. Hein. Ouais, faut que je regarde, faut que je retire cette... je crois que j'ai une aide à la visée, là. J'ai pas encore fait réellement les paramètres du jeu. Après, pour le zombie, l'aide à la visée, ça peut être bien, en vrai. Par contre, pour le multi, c'est chiant. Hop, j'ai niveau 2, c'est pris. On a un défi Sam en plus en bas. Allez. Oh, ça c'est simple. Oh bien, moi j'adore ce défi-là. On a 1 minute, on se fait un tas. Et après, que du tir au jugé.
C'est clairement amélioré, c'est trop bien. Oh non, j'ai plus de balles. Maintenant. Ils choisissent bien leur moment. J'ai dû vérifier immune. Ah, c'était chaud. J'espère que ces épreuves auront contribué à vous faire oublier la tristesse de votre misérable. Ça a failli pas se valider. Hein. Ça s'est validé de peu. Hein. Samy 600, qu'est-ce qu'on peut faire? Samy 600, on peut se prendre un atout. Courir vite. On va se prendre ça. Non, normalement, je suis censé avoir le gardien dans pas très longtemps. En termes de boss. Non, c'est pas ici. Il est là. Ce qui nous rend plus fort ne nous tue pas. J'ai en profité pour prendre la tour aussi là-bas. Ça, ça s'est fait. Ah bah. Nickel. J'ouvre cette porte. Mais tiens, il faudrait que je regarde un truc. Parce que ouais, je vais essayer pour récupérer une case de mune, mais est-ce qu'il n'y en a pas une en bas? Pas loin dans les parages. J'ai peut-être un détour pour rien à chaque fois. Ouais, j'en ai une ici, ok, mais je crois que ça fait quand même disparaître peut-être ma vague. Il n'y en a pas une en haut. Non. Ils auraient dû en poser une là, je pense. Ce son-là, il fait flipper de fou. Ah mais tu peux avoir aussi un gelé ici, ok. Première exfiltration. Je crois que j'ai entendu le gardien. Je joue jamais à troisième personne parce que je trouve que c'est moins bien que sur Call of Duty Mobile. Oh, on a toujours des zombies, on va dire, basiques, hein, toujours pas de boss.
Une fois deux, toujours à la fin des manches. Ça change pas. Ça me fume. Ah, c'est sur le bateau. Je me souviens, je crois que c'était un défi que je connaissais pas, donc on va pas le faire, tant pis. Ah bah allez, voilà le premier. Ah, le x2 il m'a mis bien là. Je crois qu'il n'y avait pas de clé. Mort instantanée. Au plus près de l'action. Ah oui, du coup les vermines, ça peut se transformer en parasites. Ah bah, j'étais pas au courant. Donc un zombie peut se transformer en vermine puis en parasite. D'accord. Ce qui aurait été intéressant, c'est une fusion en direct du boss spécial de la map. D'un des mini-boss, on va dire. Mais du coup, je préfère plus ces camos-là que sur la map Liberty Falls pour le pack-a-punch. Mais j'aurais bien aimé un bleu parce que là, il n'y a que du vert, du magma et du violet. Enfin, on va dire vert, orange et violet. J'aurais bien aimé du bleu. Qui compte.
Non, toujours, pour l'instant, pas de clé. C'est pas un défi SAM? Non, c'était un défi SAM qui a disparu. Oh non! C'est le boss. Il est violent en plus. En plus, il écrase tous les zombies. J'aurais bien un petit peu de piège maintenant. Wesh. Ah, par contre, le boss, il part pas en haut. Ça me bute pas, j'ai eu peur. Ça me bute pas, mais ça me téléporte. Mais wesh. Ok. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas. À l'horizon. Ah, mais j'ai récupéré un truc. Mais il est où le boss? Il s'est téléporté aussi. C'est très sûr. Je sais pas si c'était censé se passer comme ça. Putain de merde, le rotor anti-croupe est coincé. J'ai bien peur de pas pouvoir décoller. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Pourquoi j'ai plus de zombies? Non, si j'ai fait bugger la map. Après, c'est 30 000. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a plus une limite d'atout. Ça, c'était chiant sur les zombies. Sur les précédents opus. Du coup, là, c'est beaucoup mieux. Ah, ça coûte 1750. Hein. J'ai pas vu le prix quand. Quatre. Ah, je sais pas si la map elle a bugué, mais je vais peut-être vous faire le truc avec le petit secret. Normalement, c'est. Ça doit être ici. Il est trop bien à manier ce bateau. Je regarde s'il n'y a pas des renseignements ici. Ou une pelle. Et là, il y a un truc parce qu'il y a un son chelou. Il y a peut-être un truc à faire. Hein. Non! Ah bah si, ça a peut-être passé à manche. Ah ici, un kaboom. Ok. Bah j'ai découvert un truc tout seul. Et ici, un bonus kaboom. C'est quoi? Oh, il y a du stuff! Viens, ah, en fait, t'as des petits trésors comme ça. Ça, c'est des coraux. Là, je me demande si tu meurs par la noyade, ça te fait quoi comme animation enfin?
Ah bah yes, un zombie. Ah du coup yes, ça passe à manche. Il est où mon bateau? Me dis pas que j'ai plus de bateau. Point de ralliement marqué. Oula. Ah, c'est une tempête qui te suit. Oh, wesh. Ah, elle te suit bien, la tempête, hein. En vrai, ici, pour tourner, c'est grave bien. Hein. Ouais, ça disparaît tout seul. J'espère qu'il va pas buter tous les zombies. S'il te plaît, ne bute pas tout le monde. Oh, parfait. C'est ici le secret avec le bateau. Oh, faut appuyer carré. Faut éviter les zombies et les tentacules. Ah merde, je me suis pris un truc. Oh putain. Galère un peu. Hein. C'est pas simple à manipuler. Hein. Ça me fait penser à Ratchet & Clank. Putain. Ça s'est passé quand même. Ah, j'ai raté le dernier. Je suis pas un bon conducteur de bateau. Ça vous donne un petit trophée comme ça. Du coup, ce qui est bien, c'est que je crois que ça m'a débloqué un bug. Enfin, j'espère.
Sinon, il va falloir qu'on retourne sur les îles. Tiens, Deadshot, ouais, ça peut être bien. J'ai l'objectif bien en vue. On va aller voir si on peut reprendre. Si on peut prendre recharge rapide. Ah ouais, il y avait un deuxième zombie, je crois. On en mange combien? Mange 17. Ah mais attends, il y avait un défi simple juste avant. Oh merde. J'avais complètement zappé. Il a dû disparaître entre temps, mais bon. Ah donc, dès que tu sautes dedans, ça téléporte. Je sais pas si ça téléporte au même endroit ou ça se téléporte n'importe où sur un map. Par contre, l'infection, il est chiant. Oh non, il est de retour. Il est de retour. Oh putain, non, trop tard, trop tard. Oh. Je l'entends courir. Ah, faut qu'on prenne le défi Sam, faut que je bute le boss avant. Je sais pas s'il a repris la vie. Ah c'est bon, je l'ai buté. Et c'est une clé, on va pouvoir l'utiliser après.
projet Janus vous remercie pour cette excellente performance. Je sais pas si ça passe à mon champ. Ouais, si ça passe à manche. Bon, après cette manche là, faudrait que je garde un zombie. Parce qu'il faut que je me fasse des atouts, faut que je me fasse plein de trucs. Une clé. On va déjà aller ici. Je sais pas si j'ai pris tous les atouts de la map. Et quelle heure là? Et bientôt midi. Ouais, celui-là j'ai pris. Deux trucs qui ne servent à rien. J'aurais dû peut-être les laisser dans le casier. Bon, en fait, non, de toute façon, ça me sert à rien. Un peu le seum quand même. Par contre, je sais pas si la clé sera toujours là-bas, la clé bleue, là. Je suis en train de réfléchir. Ah mais est-ce qu'on peut prendre tous les modes de munitions? Non. Ok. Et t'en prends un, ça te retire l'autre. Ok. Je suis en train de réfléchir à ce qui me manque des atouts. Ah, peut-être tout en bas. Et on va en profiter pour ouvrir les... Normalement, je crois qu'il y a une porte de l'autre côté.
Il y a un son chelou ici. Hein. Je crois qu'il y a un secret. Ah mais il y a un truc ici, attends. Ah yes, on m'a trouvé une pelle. On va pouvoir pelleter. Il y a une musique. À moins, il faut que j'appuie ce. Ah, faut peut-être appuyer carré. Ah, mais c'est peut-être pour la musique. Alors, donc, si je trouve des trucs similaires comme ça. Ah mais il y avait une pelle depuis tout à l'heure ici. Et donc je vois un peu tous les emplacements qu'il y a là. J'en connais trois pour l'instant, je sais pas s'il y en a plus. Il n'y a rien à creuser. On a creusé des trucs à creuser tout à l'heure. Je pense qu'on va prendre le bateau. Il y a un rire chelou. Normalement, il y a un truc secret là. Est-ce qu'on peut aller à cette zone là-bas? Non, on peut pas monter dessus. Par contre, j'entends un truc là au-dessus, je sais pas ce que c'est. Il y a sûrement un truc caché par ici. Hein. On a vu un truc comme le kaboom. Oh putain. Mais ça, on y a déjà été.
Ah, mais il y a un truc. Ouais, il lance des boules chères. Là, je me demandais s'il fonctionnait comme sur NW3. Du coup, enregistrement trouvé. J'espère qu'il y a un truc secret sur le bateau. Faut tirer dessus. Mais je crois que la brume, elle doit détruire les bateaux, non? Ah non. Là-bas, je suis pas encore allé. On va aller voir s'il y a des trucs sympas à voir. Merde, je suis trop con. Du coup, j'ai gâché un bateau. Là-bas, il y a un truc. Oui, les zombies sont morts. Ah, mais il y a un renseignement. Je suis gêné par les zombies.
fatigués ni un fort commercial actif, ça, c'est sûr. Alors, de quoi on va avoir besoin pour le faire fonctionner? Où est-ce que j'ai mis la liste? La structure principale est une forteresse. Du béton armé coulé en 1942 et d'une épaisseur de 1 mètre. Ça, c'est la bonne nouvelle. Bon, la mauvaise, il est recouvert d'un genre de mousse putride qui dégage une odeur de charogne décomposée. Voilà. Mais bon, compte tenu de l'histoire de cet endroit, rien de tout cela n'est aussi surprenant. La salle de contrôle de sécurité est bien placée au sein de la structure, mais elle devrait être vidée et modernisée avec les derniers équipements. Les verrous, les caméras, l'éclairage des cellules de longue détention, les salles d'interrogatoire, les quartiers, les puits de mine, j'y reviendrai, devront tous être équipés avec des technologies plus modernes. Les quais, les tunnels maritimes et l'infrastructure marine sont en bon état, mais devront être dragués et bien sûr améliorés. Soyons clairs, je sais que c'est la centrale qui est chargée de la construction, et je suis pas censé savoir quoi que ce soit. Cet endroit aura besoin de tout utile. On parle d'équipement lourd. Ah, il y a une pelle ici. Oh, en fait, je peux en trouver partout. Enfin bref, je mettrai tout ça dans le rapport. L'héliport, qui a un peu de taille suffisante, devra être rénové afin de supporter le poids des nouveaux appareils à voilure tournante. Et... bon, ok. Terminus compte aussi tout un tas de tunnels. Des tunnels maritimes, des tunnels terrestres, et puis une mine. L'avantage, c'est qu'ils permettent de se déplacer librement entre les différentes zones de l'île, mais... il y a quand même un problème. Il me fout carrément les fonds. En 1932, un accident a entraîné la mort de dizaines de mineurs travaillant dans ces tunnels. Et il se passe quelque chose d'étrange à sauver. Chose que j'arrive pas à expliquer. Je recommande que des unités armées nettoient ces tunnels avant le début des travaux. Et enfin, ce qui nous intéresse, l'énergie. Leur charbon il y a longtemps. Vu la puissance requise dans les spécifications, il faudrait un système hydroélectrique ou nucléaire. D'autres solutions sont insuffisantes. Bon. Enfin, bref. Tout est dans le rapport. Moi, je me tire de ce maudit rocher. Terminé. Et non, ce dialogue. Ciao les cassos. Ouais, ça c'est pas ouvert, mais je sais pas si ça peut s'ouvrir. Putain, ça suit hyper vite, hein. Putain, ça fait flipper, mais c'est stylé, hein. Ah, mais j'ai des coffres à débloquer en dessous.
Wesh, il peut sortir d'ici. M'a fait flipper. On a 7000, on a ça, ça, ça. Est-ce qu'on a tout fait sur la map? C'est bon, il y a un zombie à l'intérieur. Oh, trop stylé. Bon. En ça, ça, je peux pas. Mange 21. Défi de Sam, je sais pas s'il est toujours présent. Ciao. On est toujours là. On descend. Je pense avoir haussé, ça doit être tout en bas là. Ah mais attends, j'ai une clé légendaire à mettre avant. Demi-tour. Bon, moi j'aurais fait un peu le tour. Mais la map, ouais, elle est vraiment grande. Ouais, mauvais endroit. Je sais pas si j'ai chopé tous les renseignements, mais j'en ai chopé pas mal hein, sur la map. Oh, deadshot. Ouais, j'aurais pu faire des économies d'atouts. Ah oui, je me disais ça me donne accès à une autre zone. Ce sera beaucoup plus rapide. Ouais, j'avais cru voir un truc. Ouais, les autres musiques, je sais pas où elles sont. Et ça, je sais pas à quoi ça sert. Hein. Oh, mais ça se détruit! Depuis le siège passager d'un canot tactique. Ben voilà. Merde. Ah, c'est pas simple hein, le défi. Hein.
Ah, j'ai crevé. Hein. J'ai réussi. Ouais, j'ai fait crever. Hein. Tout ça pour ça. Ça aurait été vachement triste hein, si j'étais mort à cause de ça. Ça c'est une sorte de canon du gardien. Mais je préfère garder l'hélico. Ce sera pour l'extraction. Je sais même plus où elle se fait l'extraction de base. Ah bah tiens, on va pouvoir améliorer ça. Niveau de rareté de l'arme. Et après... Après c'est bon. On rush les manches là. Merci. Ah mais j'ai perdu des atouts. Oh putain. Oh, je suis n'importe quoi. La rapidité est essentielle. Putain, j'ai plus rien. Je sais comment là. Sans armes, sans rien. Un couteau ? Ah, ça fin. Ah, je suis mort comme ça. Putain, on fera pas les 31 manches. Ah, je me suis foutu dans la merde tout seul. Bah tant pis, on n'aura pas fait 31 manches. Mais je crois que c'était hier, mais j'avais réussi. Hein. Je crois que j'avais même réussi à m'infiltrer. Alors que sur Liberty Falls, les filtrations, j'avais pas réussi, je crois. Du coup, j'ai une animation d'un hélico qui se crache. Et au moins là, sur ce stream-là, j'ai pu découvrir un peu toute la map, parce que je l'avais pas fait la dernière fois. Et on a dû récupérer pas mal de renseignements aussi. Hein. Niveau 33. Alors, au niveau des augmentations, est-ce qu'on a pas mal de choses... Oh, ça va, ça a bien avancé. Et au niveau de l'arme ? Oh, on est bientôt à la moitié. Ah tiens, attends, Amir. Ouais. Quoi je voulais faire Ah oui, renseignements zombies. Ah j'en ai... Ah non, il y en a 30. Ah ouais, j'ai pas tout récupéré.
À mon avis, t'as les basiques à récupérer et t'as ceux un peu spéciaux comme quand j'ai pris le trou noir là, enfin le avec la grosse arme. Sur Liberty Falls, si on a 18. Ouais, sûrement. J'ai hâte aussi d'avoir la PP19 bison. Pour l'instant, je fais toutes les mitraillettes. Ah, ça m'a gardé quand même Liberty Falls. Je crois que tu peux avoir une sauvegarde de Liberty Falls et une sauvegarde de Terminus. Ah, à moins que tu peux peut-être faire plusieurs sauvegardes. Parce que là, ça se supprime seulement si je rentre dans cette partie-là. Ah, je peux peut-être faire plusieurs fichiers sauvegardés. Intéressant. Mais voilà, on va s'arrêter là du coup. En plus, on aura fait un stream de d'une assez longue durée, on va dire. J'espère que ceci vous aura plu. Ce stream sera en diffusion, je pense, dimanche à 14h30. Et de toute façon, bah, on se revoit la semaine prochaine pour du Liberty Falls et du Terminus. On commencera par bah, Liberty Falls et après Terminus dans la semaine. Comme un peu cette semaine. Et ça sera le cas chaque semaine. Parce que faire les deux maps sur un stream, ça va être chaud quand même. Donc je préfère tu vois, séparer un peu les deux. Et faire ça bah, toutes les semaines, le stream Zombie Black Ops 6. Pour monter les camos. Voilà. Bon, sur Terminus, ce sera plus du chill que mon télécamo, mais sur Liberty Falls, ouais. Et entre-temps, on essaiera de faire un peu plus de secrets, d'en découvrir un peu plus. Voilà. Sur ça, bon app à tous, et je vous souhaite une bonne après-midi, et à tout à l'heure pour ceux qui viennent à 14h30 pour du Call Duty Mobile. Voilà. Ciao les boys.